Tu gagnes cette quatrième finale ici au Jaï, finale lancée en soirée dans un vent qui est forcissant. Tu peux revenir un peu sur cette manche? Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je prends un bon départ en bout de ligne. Je suis bien lancé avec du vent frais et à partir de là, je prends la tête de la course. J'avais une bonne speed et j'arrive à garder mon avance sur l'ensemble de la manche. Tu as Damien Le Gaine qui te talonne. Est-ce qu'il était vraiment menaçant ou est-ce que tu l'as géré facile? Sur le premier banc, en fait, du fait d'être parti tout en bas, fallait un petit peu que je me replace par rapport à la bouée. Donc au début, c'est vrai qu'on était assez proches. Mais après, une fois que j'ai pu vraiment partir complètement plein, je savais qu'il ne pourrait pas me doubler sur un bord. Donc j'ai préféré j'ai assuré mes jibes et je savais qu'il ne me passerait pas sur les bords. Tu estimes la force du vent à combien à peu près là? Je pense que sur la finale, il y avait les bonnes claques on était à 15-16 nœuds. T'avais quoi comme toile? J'avais 8-6 RS Racing, les nouvelles, et une JP 76 de slalom. Et en taille d'aileron? Taille d'aileron, j'avais un R16 44 de Bocher. Cette 8-6, tu l'as employé quasiment sur toutes les manches? Je l'ai employé hier sur la manche qu'on a couru le matin dans du vent light. Et sinon, les manches précédentes, donc du premier jour, j'avais utilisé la première 7-8 et à la deuxième, ma 7 mètres. Pas trop dur de jibe cette 8-6? Non, petit à petit, je prends vraiment mes marques et c'est une voile qui sait se faire oublier sur la manœuvre et qui apporte suffisamment de pêche pour repartir après. A priori, 8-6, c'est vraiment le maxi pour le slalom? Aujourd'hui, les voiles, elles ont vraiment une grosse plage d'utilisation, donc moi, je juge pas nécessaire pour mon gabarit d'utiliser la 9.5 et la 8.6, elle est vraiment suffisante pour les conditions dans lesquelles on court ici. A priori, cette manche-là, c'est du tout bon pour toi puisque tu remonterais deux au général. Tu as quasiment fait toutes les finales, c'est ça? Exactement, oui. La première manche, donc je termine. Sixième parce que je me fais rentrer dedans sur le premier jibe. Donc après j'arrive un petit peu à revenir mais pas fou. Manche suivante, c'est une manche où je pars très bien en tête aussi. Le jibe en même temps que Biosi à la bouée. On fait tout le deuxième bord ensemble. Il attaque le jibe numéro 2 en premier. Et là moi je loupe complètement ma relance. Je me fais doubler par Antoine Quetel. Je reste un peu dans sa fumée, du coup Julien Quintel me rattrape et il me double sur le jibe suivant. Donc j'ai un peu déçu sur cette manche. Et hier on fait une manche dans du light et je pars quatrième et je reste quatrième parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire avec des bords assez serrés et pas de grosse marge de manœuvre. Ok, écoute Pierre, on te remercie et puis bonne continuation. Merci. Ciao. Thank you.